mon cœur. On est où, mon chat? On est dans la voiture? Et on va chercher qui? Oh, la tête de blasé. Et on va aller chercher Flo et Tom. Parce qu'on part à la mer, nous. À mon cœur. T'es pas d'accord? Non. Tu vas chercher Tom? Ouais, parce que je vous montre. On est là. Attends, j'aurais pas filmé les gens, excusez-moi. Hein. Mais on est à la pompe à essence. Parce que, bah, là, vous voyez pas, mon volant est tourné, si vous voyez. Mais voilà, on a que la moitié de l'essence, donc, bah... Oula, pardon. Pour aller à la mer, ça va être un peu compliqué. Donc, du coup, on met de l'essence et on file à la mer. D'abord, on récupère Tom, quand même. Hein. On récupère Flo et Tom. Allez, on vous reprend après. Du coup, je vais vous montrer vite fait. Regardez cette jolie chambre. Regardez-moi ça. Ouais, bah ouais. Ah, je suis trop fan de ce. De ça là. Et de la verrière là. Regardez-les. On peut même les espionner. Ça va les garçons? C'est trop joli. Je vais montrer de l'autre côté. Donc là, on a le coin cuisine. On s'est déjà installé. Hein. Pourquoi? Ben oui, j'ai vu qu'il allait faire mieux qu'aujourd'hui. Et là, c'est l'autre coin. Et donc ça, c'est un canapé lit. Ouais, ça a l'air sympa après. Hein. Mais je suis fan de ce coin, de ce côté vintage moderne. Et la petite salle de bain. On a un bain. C'est trop mignon. Voilà pour la petite visite rapidos. Et les détails, regardez. Savoir qu'on est à la plage, comme il m'a dit Tom. Les bottes, bon, ça c'est celle de nos enfants. Et les tongs, voilà, qui étaient déjà là. C'est trop mignon avec les caisses en bois comme ça. C'est trop joli. Je résumerai ça en bref, ils ont mangé un melon. Et on en a goûté un bout grand comme ça avec Flo. Hein? C'était bon le melon? Il a englouti. Englouti. Elles sont là, je pense. Viens là, doudou. Boum. C'est une super nuit. J'ai bien dormi. Il est 10h30 et on se lève. Plutôt cool. C'est parti pour le jour 2. Aujourd'hui, on va aller retourner vers la mer et le temps est déjà mieux au réveil. C'est trop ouf. On va avoir deux jours où on... ça me tue. Je vous l'ai montré dans le weekly, ça me fait super mal. Bon, bref. Allez, je vais attacher mes cheveux parce qu'ils ont pris très cher hier avec le vent. Voilà, j'ai une choucroute. Mais voilà, c'est cool. Les enfants, les garçons se réveillent tout doux. Et cette vue du matin, là, avec le lit comme ça, là. Et bon, j'avais fermé les rideaux cette nuit, pour vous montrer. Parce que j'attends, chercher à voir ce qui se passait chez les copains. Mais je suis fan. Je vais vous montrer la vue du matin. Par la fenêtre. Regardez cette lumière. C'est du bien par rapport à hier. Les petits gajoux et on a un meilleur temps qu'hier. Ce que j'ai réussi à vous montrer en ouvrant un peu, je devrais vous montrer la mer.
je vous l'ai montré en story hier. Regardez ça. Il y a du vent, je suis désolée. Mais c'est trop classe. La mer, elle est juste là. Elle est encore bien déchaînée. Il y a du vent. Allez, hop. Deux petits garçons. Oula, ça va, Tom? Bon, on a deux petits garçons dans les starting blocks là. On va aller faire une balade à la mer. À le long de la mer. Elle est là. Les coquinouches là. J'essaie de vous montrer un peu, on va dans le musée des dinosaures. Je vous mettrai la petite photo qu'on a fait avec le dino qui est là-bas. Et on va aller voir ça, je vais pas penser à prendre mon autre batterie, donc on fera avec ce qu'on a, n'est-ce pas? Au pire, je ferai des photos avec mon téléphone et je vous les intégrerai en musée dans le vlog. De toute façon, je pense que filmer avec les gens, ça va être très pratique. Donc voilà, allez, on rentre. Un dino qui vole, j'adore. C'est trop classe. Et ils sont à fond les garçons. C'est super sympa. Avec la lumière bleue, on se rend pas. Ah voilà, on se rend bien compte là. Il y a la terre qui tourne et il y a le soleil. C'est excellent. Et là, on va découvrir les requins. Et alors, cette animation est juste exceptionnelle. Ah ouais, pour les petits garçons, c'est géant ça. Et maman, j'avais pas vu ça. Oh pardon, excuse-moi, Flo. Juliane, recule. Tu restes là. Regarde, Jou, tu as vu les grosses dents de requin derrière toi? C'est ouf! Toucher des dents de requin, c'est hyper impressionnant. Là, il y a plein de requins. Bon, ça, on peut pas les toucher, mais c'est excellent. Et il y a un petit espace jeu pour enfants, c'est géant ça. C'est super top. Tu vas faire quoi, Chachou? Tu vas rouler? Ah. C'est sûr que c'est une bonne réponse. Hey, coucou les garçons! Le tour de manège, on est descendu, on met les petits gars, on est descendu à la mer. Regardez ça, c'était face à la mer. Pour vous montrer, ils ont fait du manège ici, là, où il y a les messieurs là, juste là. Voilà. Mais ils sont trop bien là, les petits chats, ils sont trop jolis. Okay.
on vous retrouve pour le jour 3. Et avec ce joli temps. Et on file à la playa. On a pris les seaux, les pelles, vous voyez, Joey porte. Hein. Tom Tom y porte le ballon. On a un deuxième ballon au cas où. Hein, sauvé. Et regardez ce temps. Il nous faut les lunettes carrément là. Oh, c'est trop bon. C'est trop agréable. Allez, je vous reprends qu'on est sur la plage. Regardez-moi ce temps de folie qu'on a. Bon, la mer est très loin, donc là pour vous faire un shoot d'océan avec la marée, c'est loin, mais c'est trop joli. Oh, c'est tellement beau, regardez ces façades là. C'est magnifique. Et les petits gars, ils jouent à ramasser des coquillages. Plaisir simple de la vie. Il nous faut une mission de trou. Vous êtes à fond les garçons, hein? Honnêtement, vous avez dû rendre compte que j'ai coupé rapidement. En fait, Tom a lancé une pelle entière de sable sur moi l'appareil. Voilà. J'ai dit aux garçons d'arrêter de jeter et il y en a un qui a jeté d'un côté, l'autre de l'autre. Et ben j'étais d'un côté. Et voilà, voilà. Bon, c'est pas très grave, hein. J'espère juste que l'appareil va pas. Normalement, ça a l'air d'aller. Tu veux pas que les gens voient les coquillages? Bah vous avez un petit peu beaucoup de plage à faire les garçons. On n'est pas rendus là. Les petits boys. Hein? Petit cœur. C'est l'éclate. Je dis pas c'est l'éclate, ils courent tous les deux là. Ils s'éclatent. Tu décides, c'est gagné. Ouais, bravo mon chat. Un point chacun. Ah oui, je joue parce que je n'avais même pas fini en plus. Alors ça, je ne sais pas trop bien les dessiner, mais vous allez deviner. Un point pour moi. Vous êtes prêts? Oui. C'est un 3. Avec moi pour ma petite expédition de l'après-midi à la plage. Les enfants sont en train de jouer avec ma Flo. Regardez-moi ce panorama. Allez, je m'approche, j'avais besoin. J'espère qu'avec le vent vous m'entendez pas trop mal, mais là j'avais besoin de venir prendre un petit shoot d'océan, même si je vais pas rester plein parce que la mer elle avance. Waouh. Hello! Bon, je suis désolée, mon truc est horrible. Je vous l'accorde, hein, mais j'arrive pas à le faire partir. On vous reprend ce dernier jour parce que c'est le retour. Voilà, on a un rendez-vous à Tonton Trousseau. Donc on repart. Ah mon chien, on repart? Et regarde sa tablette, mais il est aussi tristouné. Voilà, la seule optique lui pour de repartir, lui, c'est de voir sa soeur. Donc voilà, donc, je vais vous faire un. C'est de vous faire un dernier plan de mer en repartant pour dire bye bye à la mer.
Et puis bah, je clôturerai ce weekly. Voilà, ce vlog. Et on repassera sur le weekly pour la suite. Voilà, donc bah, on vous reprend. Là, on prend la route. On arrive à 13h30 à Trousseau. On a rendez-vous à 15h, donc c'est plutôt cool. Ça me laissera le temps de manger. Voilà, si on fait pas de pause, tout ça. Allez, on vous reprend après. Du coup, on vous reprend à l'arrivée. Chachou a fait une petite sieste. J'ai pas pu vous remontrer la mer. Tout simplement parce qu'on est reparti de l'autre côté. Donc du coup, c'était pas pratique. Il est 13h42. On vient d'arriver à Trousseau. On s'est garé. On a trouvé une place. En faisant 3 tours, mais on a trouvé une place. Donc du coup, on va clôturer ici ce vlog de la mer. On vous dit... On espère que ce vlog vous a plu. Que c'était sympa de partager ces quelques jours à la mer avec nous. C'était le grand rêve de chaton, donc c'était trop cool de pouvoir l'emmener à la mer et lui réaliser son rêve. Donc on espère que la vidéo vous a plu. Et puis, bon, on est reparti sans rider de la mer parce qu'on l'a pas retrouvé. Ça se trouve, il est dans nos affaires, on verra bien. Au pire, Flo nous le retrouvera, on espère. Croisez les doigts pour nous qu'on retrouve Rider. Et puis du coup, on va vous faire plein de gros bisous. Fais des gros bisous. T'envoies des gros bisous. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Et on vous reprend tout de suite dans le weekly. Allez, à bientôt.